Alors, je vous montre l'installation. Donc, le Motorola donc DM3400. L'alimentation, donc qui fait 13,5 V. Bon, ça, c'est un petit appareil. Donc, la batterie de 24 A, 12 V. Ici, donc, je ressors en 220 V. Je vais vous montrer. Enfin, je ressors en 220 V. Voilà. Donc, pour les petites choses. Et du 220 V, hop, on repart. Je vous montre l'arrière de l'alimentation. Ça intéresse peut-être pas grand monde, mais voilà, 13,6 V, hein, c'est pas 13,5 V. Fusible de 15 A. Et je crois qu'elle fait 9 A autrement la lime. Je sais pas. Je pensais que c'était 9, mais c'est marqué 15 en fusible. Donc bon. Voilà. Voilà pour l'installation. Donc je vous montre bien sûr. Bon, hop. 3 mètres de mât. Et 3 mètres d'antenne, la X300. Voilà, je crois que c'est 3 mètres ou 3 mètres 10. Appel sur DMR public, l'opérateur Fabrice se signale. Attention Stéphane, peut-être que tu changeais d'appareil. Retour Stéphane. Tu m'as dit depuis quelque chose, mais je ne me souviens plus de quoi. Vas-y, à toi. Oui, puis le puits Lambert en fait. Hein. C'est le QTH, c'est exactement le puits Lambert. Donc je te montre là. Je fais une vidéo en même temps, je te montre comme ça un peu le QTH. Je te montre l'antenne aussi en même temps que je suis en train de te parler. Voilà pour le QTH. Donc c'est le puits Lambert. Vas-y Stéphane. C'est quoi ça? C'est le 85, c'est le 47, tu me diras ça au prochain tour. Oui. Bah écoute, ça passe bien en numérique, hein, ça passe bien en analogique, c'est sûr. À côté de la carrière de Romance, au-dessus de Romance, au-dessus de Romance. Ouais, ok, bah ça passe bien, Philippe. Moi, je sais pas la puissance que j'ai, je suis en grande ou petite. Mais je te reçois bien. T'es avec quel appareil? T'es avec le TYT ou le Zaston? Avec le Zaston, là, je vais arrêter, il y a un stop. Puis bon, je pense pas que je vais gagner la saturation. Oui, attention, Philippe, pour l'opérateur Fabrice. Vas-y, Philippe, pour le QTH éventuellement. Je suis en train de faire une vidéo, vas-y, Philippe. Ok Fabrice, il y avait des cœurs peut-être de mon côté là. Ok, bah ça passe super bien, là. Je suis bien placé, je vais rester là. Tu peux me redonner ton QTH, je suis en train de faire une vidéo, merci Philippe pour le QTH. Donc moi toujours le département 85, limitrophe 79. Au nord-ouest de Rouens. Nord-ouest de Rouens. Entre Rouens et Vue si tu veux. Voilà. Et tu peux me donner tes conditions de trafic, l'appareil et l'antenne? DP 880, voilà, je me trompe pas. Et puis avec l'antenne, la grande antenne qui fait 1m58, je pourrais essayer la fantôme, mais je pense pas que ça passe quand même. Faut peut-être pas trop rêver. Ok, bah, je fais une coupure sur la vidéo, donc ok pour la SG7900. Donc je t'attends pour un essai avec la fantôme, je reste à l'écoute. Ok, à tout de suite. J'espère que tu vas bien, que t'es pas perdu dans les fins fonds de la Vendée. Non, t'inquiète pas, je suis pas perdu. Vas-y Maël, 73. 73, les stations, ici Raph. Ah, c'est Raph, ok Raph, 73. Ben, je croyais que c'était Maël. Ok Raph, bah, je suis au Puy Lambert si tu connais un petit peu le QTH. Je pense que oui, vu que tu es plus ou moins je crois, du secteur, ce que j'ai compris. Raph, toutes mes amitiés, donc ici le QTH chez le Puy Lambert avec une X300. Ok, merci pour le retour micro Fabrice, je sais pas dans quelles conditions tu me reçois. Donc je suis avec un radio DT GD77, hein, je l'essaye, c'est la première fois que je fais un petit QSO pour tester le poste. Donc je suis du côté de Saint-Hilaire-des-Loges à la ville. Je suis quand même assez impressionné là, parce que je suis avec la CX440 là, donc bon. Ah d'accord, t'es avec la CX440, bah, je suis avec l'AmiRaf qui est dans le département 79 là.